Manger aux deux sœurs, c'est un peu partir en safari culinaire. Goûteux, mais risqué. En face de nous, pas deux, mais trois lionnes qui mordent dès qu'on les enquiquine de trop près. Avec une caméra, c'est la peur au ventre qu'on les approche. Toi, si tu me fais passer à la télé, je te casse le... Pour réussir notre reportage et avec lui notre repas, il faut oublier tout code de politesse. Ici, quoi qu'en pensent les ayatollahs de la bienséance, le gros mot n'est pas familier, mais familial. Alors, au début, on devait manger de la dôme, au final, on a eu des alouettes et on nous a dit « mange ». Alors on mange. Comme chez, voilà. Comme chez mamie. Comme chez mamie, voilà. Quand mamie a la gueule, ben, on dit oui mamie. Alors on mange. Les marmites qui mijotent comme chez grand-mère ont fait des émules célèbres. Peut-être parce que Michel, Gisèle et Marcel surpassent avec naturel les clichés voués au verbe et à l'atmosphère marseillaise. C'est un peu l'ambiance, un peu la bonne cuisine, c'est la cuisine de famille. Voilà, c'est pour ça que ça leur plaît. Puis on parle mal, on rigole, on fait le couillon avec les clients. Et ça plaît beaucoup. Quant à nous, nous avons réussi finalement à amadouer Marcel, à l'approcher de près. Il a demandé l'addition, il n'y a que 20 euros. Il est sorti dehors, tu vois. Il est sorti dehors. Il avait remonté 100 euros sur lui. Avec cette femme. Seule manière d'écouter ces mots gros sans s'offusquer un instant.